Bonjour les amis, je réponds à la deuxième question de Gaëtan aujourd'hui. Pourriez-vous également me dire un mot des schizophrénies à début tardif, c'est-à-dire après 35 ans? À quel point est-ce rare? Quelle proportion des diagnostics de schizophrénie cela représente-t-il? Est-ce que c'est le diagnostic qui est tardif ou bien l'apparition des symptômes en tant que tel? Alors, la schizophrénie à début tardif, c'est extrêmement rare en pratique clinique. À titre d'exemple, dans la base des centres experts, on a plusieurs centaines de patients et on avait seulement trois cas identifiés de schizophrénie qui avaient débuté après 35 ans. Donc c'est extrêmement rare. Alors, parfois, ça peut aussi être que le diagnostic n'est pas posé et peut être en faveur d'un trouble bipolaire. Je m'explique. En fait, il y a parfois des confusions, des formes frontières entre les troubles bipolaires et les schizophrénies, parce que dans les troubles bipolaires, on peut avoir des symptômes de psychose, comme des délires ou des hallucinations, pendant les phases de troubles de l'humeur et le plus souvent dans la phase maniaque, en fait, au moment où le cerveau est très accéléré, très productif. Et donc parfois, c'est très difficile de faire la distinction entre un trouble bipolaire avec des troubles psychotiques et une schizophrénie authentique qui débute tardivement, sachant qu'une schizophrénie peut bien sûr s'accompagner d'une dépression, par exemple, et dans quel cas on a un trouble de l'humeur avec une schizophrénie, et donc parfois c'est assez compliqué de poser le diagnostic car il repose sur l'historique, donc il faut arriver à retracer à quel moment a débuté l'épisode et quels étaient les symptômes à ce moment-là. C'est pour ça que la présence des proches est très importante souvent pour faire les diagnostics, puisque la personne qui vit les symptômes n'a souvent pas conscience de ces symptômes et ne peut pas les décrire avec précision, car au moment où elle est dans l'épisode, elle vit les choses de façon très intense et n'enregistre pas correctement les informations de ce qui se passe. Donc il y a une distorsion comme ça dans la mémoire, le rappel de ce qui s'est passé. Donc, schizophrénie à début tardif, c'est très rare. Alors, de quoi s'agit-il et quelles sont les hypothèses actuellement? On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, c'est chez les femmes, hein, quasiment exclusivement. Donc, en fait, quand on dit que la schizophrénie débute plus tardivement chez les femmes, c'est parce qu'en fait, il y a deux pics de déclenchement de la schizophrénie. Un premier pic qui est entre 18 et 25 ans, qui concerne les hommes et les femmes, mais majoritairement, en plus grande proportion les hommes, plus de 60% des cas ce sont des hommes, et puis un deuxième pic qui arrive après 35 ans, et dans ce cas-là c'est une immense majorité de femmes. Évidemment la première hypothèse va sur la piste hormonale, puisque donc il s'agit de femmes, et donc on se pose des questions sur le rôle des œstrogènes, de la progestérone, sur le risque de déclenchement de la schizophrénie. Aussi parce que c'est une maladie qui concerne plus les hommes que les femmes, alors que pendant longtemps on a dit que c'était autant les hommes que les femmes, et maintenant on en revient. Et surtout, il y a des traitements qui agissent sur les récepteurs aux œstrogènes qui peuvent être prescrits dans certaines formes de schizophrénie et avoir une efficacité qui a été démontrée dans une méta-analyse. Donc la schizophrénie à début tardif, c'est assez rare en pratique clinique, mais ça peut se présenter quasiment tout psychiatre, je pense, on a déjà vu. Et ça se traite exactement comme une schizophrénie qui a démarré plus tôt, bien que il soit probable qu'il y ait des explications physiologiques différentes sous-jacentes et qu'on va peut-être développer des traitements adaptés à ce type de schizophrénie à l'avenir. Est-ce que c'est le diagnostic qui est tardif ou bien l'apparition des symptômes en tant que tel? Donc j'ai répondu à la question, c'est vraiment l'apparition des symptômes, hein, en tant que tel, c'est pas le diagnostic. Bien que les schizophrénies soient souvent diagnostiquées tardivement, en moyenne on sait en France que le diagnostic d'une schizophrénie est posé seulement au bout de 18 mois, donc c'est une moyenne, hein, ça veut dire qu'il y a 17%, on l'a montré dans une étude, des patients qui ont un diagnostic qui est après 2 ans d'évolution de maladie, ce qui est extrêmement tard, avec même des patients pour qui ça peut aller jusqu'à 8 ou 9 ans. Mais la majorité des patients est quand même diagnostiquée dans l'année qui suit le déclenchement de la maladie. Donc souvent,
Les proches mettent parfois du temps en fait à consulter parce qu'il y a un doute sur le fait qu'il s'agisse bien d'une maladie mentale. Les personnes peuvent être un peu dans le déni et penser que ce sont des symptômes qui vont passer. Il peut aussi y avoir une mésattribution au cannabis, hein, c'est-à-dire qu'on pense que les symptômes sont liés à la consommation de cannabis alors qu'en fait il s'agit d'une authentique schizophrénie qui s'est déclenchée. Et donc le bon moyen de le savoir, c'est que les symptômes persistent même à l'arrêt de la consommation du cannabis. Normalement, après un arrêt de consommation de cannabis, dans les 24 heures, grand maximum 48 heures, tout a disparu. Donc c'est un test assez simple pour savoir si les symptômes sont liés au cannabis ou pas. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette deuxième question et dans la prochaine vidéo, on parlera du trouble schizoaffectif. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. À bientôt!